Yo tout le monde! Aujourd'hui, je suis trop contente! Car déjà, je suis trop contente parce que déjà, j'ai 49 abonnés, ou 50, je sais pas, ça s'est peut-être amélioré, mais on s'en fout. Donc déjà, c'est super génial. Et en plus, j'ai eu 4 nouveaux LPS. J'ai reçu l'enveloppe. J'ai le reçu. Alors en fait, je partais à l'école et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder dans le bathomètre. Il n'y avait rien. Revenant de l'école, puisque c'était un samedi et j'ai école le samedi matin, revenant de l'école, j'étais avec un ami. Et je me suis dit, tiens, je vais aller revoir dans la boîte aux lettres, on ne sait jamais, ça peut passer le samedi. Et il m'a dit, mais non, ça s'arrête à 10h. Puis moi, je suis partie à 8h, donc il pouvait avoir un petit peu de temps. J'ai ouvert et là, je vois Alain Averrier. Je me dis, quoi? J'ai sauté de joie. Je voyais une enveloppe. Donc attendez, je vais vous la montrer tout de suite. J'arrive. En fait, je peux pas couper. Du coup, c'est un peu chiant. Désolé. Hein. J'arrive. Désolée, je suis de retour. Donc déjà, une seconde. Voilà, donc j'ai l'enveloppe comme ça. Donc attendez, je vais cacher parce que il y a mon adresse. Et ça. C'est un peu chiant là. Désolée parce qu'en fait il y a mon adresse et j'ai vraiment pas envie qu'on voie. Donc attendez. Oula. Donc j'ai reçu l'adresse donc comme ça. Donc Alaina. On voit Alaina Perrier. Désolée, j'ai vraiment pas envie qu'on voie en fait mon adresse. Donc vous avez juste vu qu'il y a un petit 13. 13 et 25. Donc voilà. Donc après, il y a juste là, le truc là, à 12h. Ah, c'est passé à 12h. Ah non, ça dure 12h pour l'envoi. C'est 1,40€, lettre verte. Ah bon, je vois pas qu'elle est verte, moi. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, donc là en haut, donc, il y a son adresse, donc j'ai caché aussi. Donc, en haut de là, derrière ma main, il y a son adresse et je veux pas qu'on la voie non plus. Voilà. Voilà. Et à l'intérieur de ce petit bijou, donc il y avait les LPS et bien sûr les LPS que j'en veux. Et une petite lettre. Oh, j'en ai rien vu. Petite lettre. Voilà. Donc, et je trouve qu'elle dessine déjà super bien. Voilà. Ah oui, et si vous voulez savoir avec qui j'ai échangé, donc j'ai échangé avec une superstar qui a plus de 1000 abonnés qui s'appelle Petchup Galaxy Swag. Donc voilà. Voilà. Donc salut à toi Alaina. J'espère que tu vas bien. Moi super. Donc voilà des Petchup que tu voulais. Je te remercie pour les LBS. Merci pour tout. Bon voilà. Bisous. Avec le petit chat. Il est trop chou. Qui tire la langue. Donc elle m'a tiré la langue. C'est pas du tout gentil. Je vais pleurer. Donc voilà, et je trouve déjà qu'elle dessine super bien. Voilà, donc aussi, ça voilà, elle dessine déjà super bien. Alors, pour tout dire, j'ai eu un chat européen que je voulais depuis super longtemps, un teckel, un chat de gouttière et un chat phénix. Voilà, je vais commencer par mon moins préféré au plus préféré, même si j'en ai pas trop parce qu'ils sont vraiment super beaux, surtout le chat phénix, même si je l'ai mis en dernier, il est quand même super extra beau, je le kiffe. En plus la couleur rose c'est le plus beau, j'adore. Non, il est super beau, en plus je le cherchais depuis super longtemps. Enfin bref, je suis trop contente.
J'ai eu le chaleureux que je cherchais, le thé calme que je cherchais, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas celui d'Abapi, malheureusement. Et le chat de gouttière que je demandais à plein de monde qui voulait pas me l'échanger. Donc c'est parti pour le chat Phoenix. Chat Phoenix, c'est... C'est chat Phoenix que je vais peut-être appeler Kitty. Donc il y a un L derrière sa patte, donc ce sera pour dire aussi que c'est le mien. Et il a juste une petite tache verte ici, sinon il est en super bon état. Je le trouve trop beau. En plus c'est bien parce que la tache verte d'habitude ça se voit beaucoup, mais en fait là non, pas du tout. Et en plus je kiffe les yeux autocollants et je trouve qu'il fait un peu angora avec, avec ses poils ici. Je le trouve vraiment super beau. Et non, j'ai cru qu'il avait pas de trou. Je regardais sur sa patte, je me suis dit mais il n'y a pas de trou, mais en fait si, il est là. Pardon, mais bon. Voilà, je le trouve super beau et ce sera mon premier chat. C'est... Voilà. Deuxième pet shop qui est un chat. Donc je vais présenter avec celui-là. Deuxième pet shop qui est un chat aussi, donc un chat de gouttière. Que j'ai appelé Kelsey. Donc attendez. Tada! Je la trouve super belle. Elle est quand même trop jolie. Je la trouve super belle. Elle n'est pas abîmée en plus, je la trouve super belle. Oula. Elle est en trop bon état et surtout, enfin, je la trouve super belle quand même. Donc la qualité de l'image, je nettoie un peu la caméra en fait. Est-ce que là je vois un peu mieux? Je fais zoom, je vais me mettre loin mais je vais quand même faire zoom. Voilà. Je le trouve super belle et donc voilà, ah oui, et j'avais oublié. Voilà, donc je la trouve super belle, en plus je la cherchais depuis super longtemps. Et elle a un élastique, comme toujours, pour tenir sa petite tête ici. En fait, j'aime bien laisser les élastiques. Ça fera mon, au moins 5e pet shop que j'ai un élastique. En fait, je vais, à chaque fois, je vais prendre celui que j'ai. Donc, quand j'ai eu lui, je présente avec lui. Mais maintenant que j'ai eu lui, je présente avec lui. Voilà. Ensuite, nous avons un chat. Non, un téké. Trop beau. Donc, oui, c'est mon deuxième favori. Hein, parce que... Le chevreuil est vraiment super beau. En plus, c'est le chat européen de mode vidéo pet shop, donc vous inquiétez pas, c'est pas lui. C'est pas lui. Vous inquiétez pas, c'est pas lui, hein. C'est pas lui, vous inquiétez pas. Je l'avais déjà. Donc, c'est quand même. C'est. Bref, on s'en fout. Donc déjà, j'ai eu le un teckel de Avapi. Donc Avapi là. Donc c'est un teckel qui a les yeux... qui a les yeux avec des étoiles dedans. Vous l'avez sûrement deviné. C'est bien. Oula. Vous l'avez sûrement deviné. Hein. C'est évidemment ce teckel. Oh, il est super méga. Ah, je suis trop contente, il est trop beau. Enfin, c'est pas moi, je le trouve super beau quand même. Il est quand même à la mode, il est super classe. Il a les yeux roses en plus. Et c'est ça, j'adore les yeux roses. Là. Et je le trouve vraiment trop trop beau quand même. Enfin, sérieux, c'est le plus beau teckel au monde. Il est trop. Voilà. Mais je sais pas pourquoi, quand je l'ai eu,
J'ai cru qu'il était plus petit que mon autre teckel. Mais quand je l'ai mis à côté de mon autre teckel, je me suis dit, mais non, ils ont la même taille. Mais je sais pas, je trouve qu'il est plus petit quand même. Je sais pas, même vous, normalement, quand vous regardez, on voit qu'il est plus petit, on dirait. À côté de mon autre teckel. Regardez. Après, c'est peut-être moi. Mais... je sais pas. Je trouve que le mien est plus grand. Enfin, même si je préfère le plus petit, que je préfère lui, c'est-à-dire. Parce qu'il est vraiment super beau et que je le cherchais. Je sais pas, je trouve qu'il est plus grand. Vous trouvez pas, vous? Vous me dites en commentaire si vous trouvez aussi. Après, c'est peut-être parce que sa tête, elle est penchée. Non. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus petit. Bref, ce Tetcha, je le cherchais depuis super longtemps. Et là, je vais l'utiliser pour ma série. Mais en fait, pour ma série, je vais au moins attendre d'avoir deux Petchup. Sérieusement, je vais attendre d'avoir deux Petchup. Alors, elle, je vais appeler Kelsey, hein, et l'autre, Kitty. Et elle, je sais pas encore comment l'appeler. Je crois que dans Azapi, c'était Soleil qui... donc qui avait, enfin, c'était Avapi qui avait repris Soleil de Marie-Mégane, Marie-Mégane ou Marie-Mégane, enfin je sais plus quoi. Bref, et je suis vraiment super contente d'avoir Soleil parce que c'est vraiment, elle est super belle. Voilà, donc ensuite le pet shop de Maud, c'est-à-dire, vous l'avez sûrement deviné, Lola. Je suis trop contente. Oh, mais je le cherchais en plus. Je le cherchais, mais depuis super longtemps. Donc, vous l'avez deviné, donc j'ai gardé son nom, évidemment, Lola. Je vais la rester appelée Lola. Vous l'avez un petit bout. Oui, donc c'est parti, à tout à l'heure. Vous avez sûrement deviné. Lola. Oh, elle est quand même super belle. Elle est quand même super belle. Un aimant. Un trou. Bref, je suis vraiment super contente de l'avoir. En plus, son nez, il est trop chou. Elle n'est pas abîmée. À part un petit point. À part un petit point ici. Et une petite tache à la patte ici. Et voilà, mais sinon, non. Je suis trop contente de l'avoir. Et je crois que je vais l'utiliser pour des clips, pour des séries et tout et tout. Voilà! Je suis trop contente quand même. Ça, on dirait pas que je suis contente, mais en fait, si, je suis super contente. En fait, je les ai eu aujourd'hui, donc c'est super quoi. Voilà, bref, je remercie mes 49 abonnés, ou 50, je sais même pas, ou 48, je crois. Je sais pas, je crois que j'en ai 49, mais je suis pas totalement sûre. Et j'ai 15 minutes de vidéo et là j'en suis à 14, 26, 27, 28, 29, 30. Donc voilà, donc... bref, je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous. Bye.